Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Zelda Skyward Sword dont je comprends rien de ce que je dis. Bref. Ah le fils de pute. Il m'a niqué une bombe. Quel connard. Bah ouais mais non ça sert à rien. Ah le jeu, je t'aime. En plus ça avance avec. Qui rend le truc encore mieux vu qu'il avance. Bon après pas ouf hein, pas de loin quoi. D'accord, j'imagine qu'il est là le temple. Ce serait logique en tout cas. Attends juste, j'ai envie de voir ce qu'il y a là. Bah oui, bah du coup, on te rappelle. Voilà, là on va tenir le plus loin possible, du moins nous allons essayer. Ça va vous sinon? Ah! Bon bah on a réussi. Mais on va par ici parce que je suis un gros connard curieux. Oui. C'est con, hein. Je sais très bien que c'est pas par là que je dois passer pour l'instant, mais ma curiosité me dit d'y aller. Quelle salope. Meurs! Oh, juste pour un cœur, bah, c'est nul. Ouh, je vais le regretter ça. Non, ça va. Par contre, toi. Bah oui, parce que du coup, si on peut mettre ça ici, ça veut dire qu'on va avoir besoin de remonter par là au bout d'un moment. Et ça, c'est très important, les enfants. Putain, je dis ça comme si j'étais un vieux connard de 50 ans alors que j'en ai que 21, bordel! Putain, je crachais. Je postillonne beaucoup étonnamment. Waouh. Bon alors par quoi? Vous deux, vous allez me donner ça. Et on rentre là-dedans. Allez. Oh, temple du temps. Ah bah non, il est là, le temple, ok. Mais ça veut dire on est déjà dedans ou on est proche? Quand je repense, putain, on aurait pu tellement s'arrêter ici la dernière fois, ça aurait été propre. Mais bon, tant pis. Au moins voilà, c'est sauvegardé ici. Hein. Non, par contre, me dis pas que c'est vraiment là le temple. S'il te plaît. Oh, le jeu, t'es pas marrant. C'est logique aussi. Ouais. Ah, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Oh putain. Oh le pauvre. Oh le pauvre monsieur. Ouais, je sais, ça sert à rien de se dépêcher de le faire comme ça, mais bon. Au moins on fait tout d'un coup, c'est mieux. Par contre, en supposant qu'il y a le temple, qu'on arrive vraiment dans le temple, même à 10 minutes pile de vidéo, je la coupe. Au moins ça fera une vidéo de transition entre la dernière qui était plutôt bien et celle-là. Hein. Ah, je vois, j'ai pas le choix, je dois en prendre qu'un seul. Ok, bonne de fourbe.
C'est très traître hein, quand même de nous faire un truc comme ça. Moi je trouve ça lâche. Moi je trouve ça méchant. C'est un truc de méchant monsieur. Dommage lui on peut pas le tuer. J'aurais bien aimé. En vrai le truc c'est que ce qui me fait rire c'est que je suis tellement nul qu'il y a des chances que le temple on est censé le faire dans cette vidéo là. Mais que je serais capable d'en faire 30 minutes de vidéo parce que bah je pue ma race. Eh bah ouais, bah non. Bah oui, j'aurais. Bah oui, bah je savais pas, désolé. Attends une seconde, c'est vrai que j'ai même pas vérifié de mon côté s'il y avait ici un petit truc. Wow, il est planqué. Je crois hein, qu'il est caché à l'intérieur. J'ai vu un truc. Regardez cette lueur mystérieuse. Bon, au moins on sait qu'il y a une lueur mystérieuse. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de cette lueur? Nous allons le découvrir tout de suite. Si on y arrive. Et avec moi, bon bah voilà. Vous savez que je suis une merde à tout ce que je touche. Bah au moins on sait qu'il est là-dedans. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a une bombe ici. Tout s'explique, putain de merde! Ah oui, vraiment. Et j'ai même pas envie de faire de coupure parce que, bah, je sais pas, c'est marrant. Let's go! Oh, c'est joli. Oh, il est joli, monsieur l'arbre. Allez, let's go, on y va dans le temple. Et merde. Je peux sortir? Ah, les bâtards. Je l'ai vu en plus. Enfoiré de merde. Ah, les putes. Enfoiré! Ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas sauter. Enfin, on peut pas sauter. Oh, au pire, vous savez quoi, la plante? Il faut que j'essaye de faire un truc avec elle. Voilà. Si la plante se réveille quand on fait ça, c'est juste trop bien. Et au pire de cas, bon, déjà, c'est cool, elle se réveille bien. Mais voilà. Autant tout faire. Hein. Allez, hop, deux d'un coup. Ah! On l'a explosé et puis. Ah, mais on l'a vraiment explosé en plus, c'est même pas une vanne. Moi je pensais que, oh là là, peut-être que le jeu allait la laisser en vie par chance, mais non, même pas. Waouh! Je suis libre! Chais! Je t'ai contré, connasse. Ils sont où les autres? Vous pouvez pas me la mettre à l'envers, je suis trop puissant pour vous. Je vais tous vous enculer. Mais avant ça, je vais prendre quand même quelques bombes parce que j'en ai qu'une seule. J'en ai que deux. J'en ai que trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Putain, c'est dur. Et dix. Parfait. Bon, qu'est-ce que t'as, monsieur Goron? Ouh, attends. Une petite bombe. Et en plus, on nous propose ça. Bizarre, n'est-ce pas? Ah, bah non, c'était juste un rubis, ça pue la merde. Ah, je m'attendais à un truc de fou, mais non. Mais par contre, là, nous avons un truc de fou. Là, c'est intéressant. Regardez ça, si. Waouh! Ah bah ouais, au moins on va pouvoir récupérer ce truc et bordel de merde, j'en ai besoin. Il me le faut. Comment ça, je peux pas... Oh l'horreur. Oh le cauchemar. Attends, je fais comment du coup? Il se...
passe un truc si j'essaye de l'exploser, de lui exploser la gueule ou pas? Ouais, je suis sadique, mais bon, au bout d'un moment. Oh mon Dieu, il est mort. J'aurais aimé. Enfin, en soi, il est déjà mort, hein. D'un certain côté, il est déjà cané, le monsieur. À moins que c'est ici que on peut le rendre vivant. Oui, j'avais raison. Putain, je suis intelligent. Respectez-moi. Oh, d'un coup. Mais sérieusement, juste pour ça, c'est terrible, hein. Je trouve qu'on se fout vraiment de nos gueules. Ah la salope! Au secours! Mais je t'ai sauvé, gamin. Ah, j'ai eu saut, merci de m'avoir aidé. Et là-bas, c'est le temple du temps, il renferme la sainte porte du temps érigée par la déesse. Je suis chargé du ménage autour du temple. Si tu veux te rendre à la porte du temps, il faut passer ce portail. Comment? S'il y a un autre moyen d'y accéder, la raffinerie de l'Anel est reliée au temple du temps par un passage souterrain. Je vais t'indiquer où elle se trouve. Ah, c'est gentil ça, monsieur. C'est où il a mis le point d'interrogation? Tiens, ta carte, elle est bizarre. Attends, je vais corriger ça. Oh, tout est vert. La raffinerie de l'Anel est un peu plus loin, sois prudent. Bah, merci. Maître Ling, faites au rapport. Votre carte correspond à 35% de la zone où nous nous trouvons. La topographie actuelle de cette zone est très différente. Le robot a modifié votre carte pour qu'elle représente la zone dans le passé, avant qu'elle ne soit recouverte par les sables. Merci, Fei. Je n'aurais pas pu m'en douter. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette Fei. Ce jeu se fout de ma gueule de temps en temps. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix de passer par là. Alors. Non! Fais chier! Putain. Ah, je déteste quand je me rate. Oh yes. Ouais. Envole-toi, petit cube. Joli petit mini-cube. Bon, maintenant pour de vrai cette fois. Ah mais attends, il est parti se suicider l'autre! Ah non merde, c'est moi, je l'ai tué. Oh, autant pour moi. Je pensais qu'il était suicidaire ce con. Un robot suicidaire, vous avez déjà vu ça, vous? Ah bah oui, dans Futurama. Meurs. Oh, de la malveillance. Ah, du coup, maintenant, on peut passer par là. Mais. Pas pour l'instant. Ah. J'ai une nette impression de me faire baiser, là. J'ai aucune idée de pourquoi, mais. Ouais, du coup, faut que je passe pour aller là. Hein. Je sais pas, j'ai peur. Je sens que je suis en train de prendre le mauvais passage et je sais que d'avance que je vais le regretter. Ça me saoule. Déjà le fait que là-bas il y a un truc. Tigre. Je sens que ces oiseaux de merde vont être très relous du coup. Mourez, bonne de mer. J'adore tuer des oiseaux. Ah, quoi? Maître Ling, faille au rapport. Vous vous trouvez sur des sables mouvants dans lesquels vous ne pouvez pas vous enfoncer. Je vous conseille de consulter votre carte. Ah, les voies qui étaient là autrefois sont actuellement enfouies sous les sables mouvants. Vous pouvez donc marcher dessus sans risquer de vous enfoncer. Je vous conseille de placer des balises sur votre carte pour repérer les voies d'autrefois et les emprunter. Je vous conseille d'utiliser plusieurs balises. Mais j'en ai qu'une seule. Autant pour moi. Bah du coup c'est par là qu'il faut passer hein, donc
Ah, on peut pas s'enfoncer, mais un peu quand même, hein. Faut pas déco. Ah, ouais. Bah, du coup, là, je suis. Ah, mais attends. Oh, merde. C'est vrai qu'il n'y a pas de transition entre les deux endroits, donc c'est assez pute. C'est assez lâche quand même, hein, de faire ça. Ah, donc les trucs verts. Donc là, c'est des sables mouvants qui te font tomber dans le vide, j'imagine. Ouais, là, ça va. Tiens, c'est quoi ce truc? On peut pas savoir. Fais chier. J'imagine qu'ici ça va réveiller le truc. Enfin, ça va nous mettre le monde moderne. Même pas. Ah si, quand même. Avec un peu de thune. Histoire d'eau. Waouh, de l'herbe. Et un mec en vie sur... Oh. Alors toi... Ah, l'enfoiré. Ah. Qui es-tu? Ceci est le générateur qui contrôle l'entrée de la raffinerie de l'Anel. Il est impossible d'ouvrir sans la composition de trois symboles. Ah, chais, tu vas en chier, connard. J'ai détecté dans les environs des matériaux identiques à ceux qui composaient ce générateur. Vous pouvez le localiser à l'aide de la détection. Évidemment. Peut-être là-dedans, hein. Même pas, c'est dommage. Non seulement ça aurait été coulé, en plus, bah ça aurait été logique, hein. Alors là, je dois faire quoi? Ah bah attends, c'est vrai. Ouais, bon, j'ai compris. C'est toujours très long, hein, quand même. Ouais, un trou. Ah, le trou me dit d'aller là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Putain, le bruit. Oh, l'écho. Yemmada. Ouais, non, ça va, on peut le tuer. Méchant! Putain, alors que j'aurais juste pu faire ça depuis le début. Je suis vraiment un trou du cul, moi. En même temps, il va pas le toucher, évidemment. Ce jeu est une merde. Évidemment. Oh, tiens, il va me sauter dessus, regardez. C'est rigolo. Vous ne m'aurez pas enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Sérieusement? Deux secondes, mec. Waouh. Putain, mais il est con ce mec. Putain, Link, trou du cul là. Aïe.
Putain, je vais t'enculer à mort, toi, hein. Oh yes, il donne de la vie. En même temps, il a un peu intérêt avec tout ce qu'il m'a retiré. Oh, c'est nul. Maître Link faille au rapport, mon analyse indique qu'il est possible de... Waouh, j'aurais pas imaginé ça. Là. Attention toi. Aïe. Ah la pute! À sa mère. Oula. Mon Dieu, enfin. J'espère qu'on va pas me dire qu'il m'en faut un deuxième d'électricité. Merci du jeu. Y'a pas un petit point de sauvegarde par hasard, histoire que je me soigne. Tu cherches la combinaison? Ouais. Ton accoutrement est très étrange. Je ne donnerai jamais la combinaison à un individu aussi suspect. Ne t'amuse pas à toucher au générateur ennemi. Bah, frérot. Bon bah au moins on sait quoi faire maintenant. C'est chiant, ils ont dit trois symboles. Alors que ça aurait été qu'un seul, ça aurait été trop bien. Bon, est-ce qu'il y a de la vie là-dedans? Merde! Bon, ça c'est cool. Ça c'est pas cool. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a des soins par ici? Par hasard? J'en ai marre de ce bruit de con. Au secours! Aidez-moi, sauvez-moi! Ah, ça. Ah! Waouh, 10 bombes! Ah, bah ça y est, on est full bombe. Trop bien pour la prochaine vidéo. Ouais. Ah bah parfait, le point de sauvegarde il est là. Bon bah voilà, la prochaine fois on continuera. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Micopas et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.